You have heard a lot about me, but I prefer to speak myself. En français. Et ensuite, je répondrai aux questions. Nous venons d'adopter à l'unanimité une résolution importante et je considère que le Conseil de sécurité, enfin, aujourd'hui, a mérité son nom. Il a prononcé à l'unanimité une condamnation extrêmement forte de l'utilisation des armes chimiques en réponse au massacre qui a eu lieu le 21 août, qu'il faut garder à l'esprit, puisque c'est cela qui est à l'origine de cette résolution. Depuis lors, des propositions ont été faites pour liquider les armes chimiques. Nous les soutenons, mais il faut avoir à l'esprit que sans doute jamais ces propositions n'auraient été faites par ceux qui les ont faites s'il n'y avait pas eu la menace de réaction par rapport au massacre chimique du 21 août. Et donc nous considérons que la fermeté manifestée par la France, par les États-Unis, par d'autres, a payé. Au début de la semaine, le président de la République et moi-même avions posé pour cette résolution que nous espérions trois exigences. Celles-ci sont satisfaites. D'abord, la condamnation très nette de toute utilisation des armes chimiques, qui fait que s'il y a utilisation, les choses iront immédiatement devant le Conseil de sécurité. Ensuite, le fait que les responsables de ces actes devront être sanctionnés pénalement. Et puis, bien sûr, comme cela avait été, si l'histoire n'est pas encore écrite, j'ai parlé dans mon intervention de ce qui restera peut-être dans l'histoire comme une semaine internationale du dégel, à la fois sur la question syrienne et sur la question iranienne. En tout cas, c'est l'espoir de la France, c'est la position que nous avons prise depuis le début, et nous sommes satisfaits que, à la fin de cette semaine, qui a été extrêmement active, un pas en avant ait été indiscutablement accompli. La France, pour sa part, restera ferme et constante dans sa recherche de la paix. Je suis à vous. Just now, Ambassador Jafari said that he didn't think it complied with the UN Charter, essentially declaring Mr. Jarba as the sole representative of the Syrian people. And so I just wonder, how do you think, is it up to France to decide who's the leader in other countries? How did this comply with the Charter, and does it sort of undermine the credibility of the UN? I have not understood everything of what he said, and probably neither you. But what I have understood is that there was a reproach to have a difference of interpretation about the rules of this house here. It can be discussed, but what cannot be discussed is that the Syrian regime is responsible for the massacre of 1,500 people, among them children, which has been condemned by the international community, which has been said by the Secretary General of this House to be a crime against humanity, and which has pushed such a reaction that today this regime, the representative of whom was expressing himself, who said 2 weeks ago that there were no chemical weapons in Syria, had first to acknowledge that there were a lot of them, and second, to destroy them. That's my answer. Have you been made accountable for 1 million Algerians you killed, your country killed? Have you been made accountable for the Syrian, Lebanese, and others who you killed in history? Why do you want to make others accountable for something you were not accountable for? I don't answer a question when there is such an answer and a subjective answer in it.
No, it's not a question. It's a false accusation. A real journalist, please. Yes. Have you agreed on a date for Geneva 2 conference? Sorry? Have you agreed today in a meeting with Secretary General Ban Ki-moon and Mr. Brahimi on a date for Geneva 2 conference? We have agreed, and it has been expressed by the Secretary General, that the aim, I don't remember exactly the wording, was mid-November. And Mr. Brahimi will work into that direction. And we shall help him. Madame. Pardon? Qui va partir à la conférence de Genève 2? Qui va participer à la conférence de Genève 2? Eh bien, nous en avons discuté ce soir. Et il appartiendra au secrétaire général des Nations Unies de lancer les invitations sur la base du travail que va faire maintenant M. Brahimi. Et nous avons tous décidé de lui apporter notre soutien. Do you think that what happened this week at the United Nations, do you think is because what came out from the inspector's report, or do you think is more to do with the threat of force that United States and France were practically? Je pense que. Well, what most? What do you think was the most responsible for? Je pense que c'est un ensemble. Je vais répondre en français. Je pense que c'est un ensemble. Il y a eu, c'est la base de tout, vous le rappelez fort bien, ce massacre du 21 août. Il a été demandé aux inspecteurs des Nations Unies de faire leur rapport. À l'époque, les choses ont été contestées. Nous avons entendu certaines voix dire, premièrement, le massacre n'a pas eu lieu, ce ne sont pas les armes chimiques, et en aucun cas, c'est le régime. Et donc, l'enquête a eu lieu. Objective. Personne de sensé ne peut mettre en cause le travail des inspecteurs des Nations Unies. Et ils ont rendu leur rapport, il y a peu de jours, qui dit, un, c'est un massacre, deux, c'est un massacre chimique, et trois, lorsqu'on lit les lignes, avec honnêteté, évidemment, c'est le régime. Parallèlement, nous-mêmes, qui avons nos services, nous avons immédiatement constaté que c'était un massacre terrible, chimique, et avec cette origine du régime. Or, les armes chimiques sont interdites depuis près de 100 ans. Et nous avons immédiatement réagi. À l'époque, le Conseil de sécurité bloqué, vous le rappelez, ce n'était pas comme aujourd'hui, où on vote à l'unanimité. Et donc, nous avons dû menacer de répliquer. Nous ne pouvions pas passer par le Conseil de sécurité puisqu'il y avait un veto. Et nous avons, pour faire respecter le droit qui interdit les armes chimiques, leur utilisation, nous avons dit que nous allions réagir d'une manière extrêmement ferme. Et je pense que cette menace de réaction très ferme a expliqué à la fois ce qui a été dit à Saint-Pétersbourg et puis la proposition qui a été faite le lundi suivant, je crois, de liquidation des armes chimiques, la proposition russe, la démarche russo-américaine et finalement ce qui se passe aujourd'hui. Donc pour répondre à votre question, je pense que ce qui a déclenché beaucoup de choses, c'est évidemment le massacre chimique du régime. Ensuite, la fermeté manifestée par plusieurs pays a été extrêmement utile. À quoi s'est surajouté le rapport des inspecteurs de l'ONU qui confirmait la réalité du massacre et son origine. Et c'est tout cela, avec en plus le travail qui a été mené par les uns et par les autres, qui aboutit au résultat de ce soir. Je crois que c'est une description aussi objective que possible qu'on peut faire. En tout cas, c'est la lecture que j'en fais. Peut-être les deux dernières. Oui, madame. Prospects of Iran participating in Geneva 2, and to what extent do you think the talks with the Iranian president this week have helped in this process? Alors, je vais répondre en français. En ce qui concerne l'Iran, nous avons discuté de cette question, bien sûr, et il appartiendra au secrétaire général des Nations Unies de lancer les invitations. Mais la position qui est la nôtre, la position française, et de dire que cette participation peut être utile à condition que l'Iran accepte
le mandat de la conférence de Genève. Le mandat, il a été rappelé, c'est de désigner par consentement mutuel un gouvernement de transition qui soit doté des pleins pouvoirs exécutifs. Dès lors que un intervenant important comme l'Iran reconnaît l'objet de cette conférence, il peut tout à fait y participer. Mais j'ai posé moi-même cette question à mon collègue iranien et je lui ai demandé est-ce que vous reconnaissez pleinement l'objet de cette conférence ? Je dois dire que sa réponse a été assez complexe. Mais ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il m'a dit que nous soyons invités ou que nous ne soyons pas invités, nous ferons le maximum pour qu'elle reçoive du succès. Voilà. Sur l'autre point, vous me demandez si la position du président Rouhani et des nouvelles autorités iraniennes a été positive. Je ne pense pas simplement dans l'affaire syrienne, mais au plan général. Je pense que effectivement, cela marque un changement très important dans le discours qui a été tenu. C'est la raison pour laquelle le président François Hollande, le président de la République française, a eu un dialogue avec le président Rouhani. Donc, l'attitude, le discours qui a été tenu est incontestablement positif et nous change par rapport au passé. Simplement, maintenant, ce dont il s'agit, et je crois, quand on est de bonne foi, qu'il faut le reconnaître, il faut que les actes suivent les discours. Words matter. They are important. But what matters at the end of the day is deeds and facts. Dernière. Do you believe in a year's time at UNGA we will still be talking about an Assad regime? Are you confident that Mr. Assad is facing his final months in power? J'espère bien que dans un an, tout ce drame sera derrière nous. Je suis prudent parce que je connais la complexité de la situation. Je suis prudent parce que je sais que dans le passé, le régime nous a habitués à ne pas tenir ses engagements. Je suis prudent parce que la situation en Syrie est extrêmement complexe et que la communauté internationale a beaucoup tardé. Je suis prudent parce qu'il y a beaucoup de violence là-bas, qu'il y a à la fois l'affrontement local, l'affrontement régional, l'affrontement national et international. Donc les choses sont extraordinairement difficiles. Mais tout cela étant dit, je pense que ce qui s'est passé cette semaine est important, significatif. Et en tout cas, la France, pour ce qui la concerne, fera le maximum pour qu'on puisse arriver à la paix. Résolution qui vient d'être adoptée concerne à la fois la Syrie, mais aussi les États qui supportent la coalition et les rebelles. Je ne sais pas exactement à quoi il fait allusion, mais ce que je sais, c'est que la condamnation du massacre chimique du 21 août, qui est à l'origine de la résolution, concerne ceux qui en sont les auteurs, c'est-à-dire le régime syrien. Merci beaucoup.